Moi, Yu-Gi-Oh, Galaxy, Core Prime. Déjà, je vais vous montrer ce qu'il y a derrière. Batterie. Et vous avez numéro de l'appareil. L'appareil et tout. Une batterie, voilà, donc la batterie qui est vendue avec. Voilà, donc déjà on a une batterie, donc on l'allume. C'est un peu Galaxy Core Prime, donc vous l'allumez, tout. Vous l'avez allumé, vous vous assurez bien. Voilà, donc vous assurez bien qu'il est allumé, donc vous avez. Voilà, vous avez déjà donc le téléphone est sous même pas Marshmallow, il est sous Lollipop. Il n'est pas compatible, pour le moment il n'est pas compatible. Je vous montre déjà le logiciel. Sur 5.0.2. Voilà. Que les gens me posent la question. Vous avez en go. WhatsApp. Pour régler l'heure, voilà. Vous pouvez mettre une boîte mail. Au niveau de la batterie, on va se parler batterie maintenant pour ceux qui le veulent, l'acheter. La batterie tient une journée, 24 heures. Ce Core Prime là, comme j'ai eu beaucoup, ça commence à plus retenir la batterie. Mais en général, quand vous n'en servez pas beaucoup, là, il a 71%. Il y a un truc que je peux vous dire. Mise à jour des logiciels en cours. N'y a pas une mise à jour. Là, vous n'avez pas le pourcentage. Là, vous l'avez. 24 heures. Bon. Dernière chose. Donc, vous avez Play Store, comme d'habitude. C'est un téléphone sous 8 Go qui est sous Lollipop. Il y a un stockage de 8 Go, donc vous pouvez mettre une carte mémoire de 16 Go, 32 Go, 64 Go ou 104 Go. 104 Go, vous aurez assez. Vous avez toutes ces mises à jour là à mettre. Je ne vais pas le faire. Vous avez. Voilà.
vous rappelle que vous pouvez connecter autant de comptes Google que vous souhaitez. Donc vous pouvez connecter un compte comme ça. Et voilà. Si ce petit tuto sur le Core Prime vous a plu, n'hésitez pas à m'abonner à ma chaîne. Donc je vous montre ça, comme ça. Je vais vous montrer la qualité des photos. Donc la qualité des photos. Et voilà, merci d'avoir vu ce petit tuto des photos, vidéos, films 1979.